Bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Scrapbooking Page. Ouais, c'est tout. Allez, je vous lance le papa tout de suite et je reviens tout de suite après. Donc je vais commencer par prendre une page. Alors il me faut une page dans les tons, voilà, un peu crème jaune. Ah, celle-ci. Non, celle-ci. Allez, ça sera celle-ci. J'espère que ça va le faire. Hop. Je vais prendre des crayons aquarellables. Il me faut le rouge. Le pochoir. Alors là, c'est alpha fond. Et je vais faire plusieurs lettres. Je vais prendre une chute de feuilles aquarellables. Alors, je vais faire ça. Alors, vous inquiétez pas, après, je vais la réutiliser celle-ci. Je vais faire. Je vais en refaire un petit peu. Au pire, j'ai de la Easy Ink. Non. J'ai ça qui est raide normalement. C'est censé être rouge. Bon, je vais être obligé de rajouter du rouge un peu plus vif. Alors là, du H2O. Alors celui-ci est fait très sang en plus. En fait, le crayon au fond, il n'a pas fait grand chose. Donc au pire, je vais faire un autre truc. Je pense que ça sera mieux. Je vais faire. Donc je vais mettre de l'eau dedans. Ouais, je vais faire comme ça. Ouais, je réfléchis comment je vais faire. Donc je vais diluer avec l'eau et le rouge. Et ensuite, je vais remettre dedans. Pour avoir du rouge. En spray. Je vais sécher la première partie. Ouais, c'est du brouillon, hein. C'est freestyle. Vous me connaissez. Hein. Alors, je vais reprendre le pochoir fond. Je vais protéger les contours parce que... Si vous ne saviez pas, ça gicle partout. C'est pour ça que beaucoup de fois, j'ai utilisé la bombe de peinture au lieu d'utiliser ça. Hop. Et donc là, je vais pchiter.
Voilà. Donc voilà, mon fond encre et pochoir est fini, voilà, et bien sec. Je vais partir sur du tamponnage maintenant, tamponnage pour fignoler le fond. Donc là, je vais commencer par le tache et l'encre rouge. Alors oui, le tampon est déjà là, hop. Bon, je pense que les taches, ça le fait bien. Partir sur quelques petites étoiles. Alors, le seul truc, c'est est-ce que je partirai pas maintenant sur du noir? Pour éviter que ça soit trop rouge, justement, je pense que je vais partir sur du noir. Déjà, sur les mots, donc, je vais partir sur ensemble ou bonheur. Ouais, c'est les mots que ou photographie. Allez, ensemble. Et je vais partir sur du noir. Et après, je verrai si je rajoute des... Il est pas droit, le truc. Des taches en noir ou pas. Bon, je vais être obligé de montrer ma photo direct. Je l'ai mal fait. Voilà, je vais être donc obligé de faire des petites taches, juste une ou deux. Tac. Et là, je vais juste faire une tache comme ça. Et là, je vais faire quelques petites étoiles. C'est juste savoir lesquelles je fais. Je pense que je vais faire celle-ci. Je crois que je les ai jamais utilisées, celle-ci. Après, il va falloir que je range surtout tous mes tampons, que je les nettoie et que je les range surtout. Thank you.
faut que je refasse la tâche où je fais de... parce que finalement je suis obligé de la décaler parce que sinon le ensemble là il va être un peu trop loin, donc je suis obligé de la décaler un petit peu, mais là ça fait vide. Sinon je vais faire quelques petits, j'avais fait la tâche mais qui va servir à rien. Puis là, je vais faire quelques petites étoiles. Donc vous avez pu remarquer juste avant, je m'amuse à ancrer qu'une seule étoile. Et après bah, je nettoie avec mon pouce le reste hein, pour que je puisse faire qu'une seule étoile en fait. Oh. Il était pas assez bien nettoyé. J'ai plus de lingette dans mon atelier. Hop. Je pense que c'est pas mal comme ça. Bon, je vais tester quand même un truc, c'est faire des petites taches rouges, des petites étoiles rouges. Je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça fera pas trop. On les voit pas. Ça fait bien en plus. Donc là, j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer pour que je puisse coller ma photo. Je vais juste faire deux petits embellissements. Alors, je vais pas faire grand chose de plus au niveau de cette page parce que le fond, bah voilà, je l'aime bien et je vais pas non plus le surcharger. Alors, là, j'ai travaillé à l'ancienne, c'est-à-dire travailler plus le fond que autre chose. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste le petit cadeau là. Ma planche, elle est là. Hop, que je vais faire en rouge, voilà. Bah en rouge rosé quoi. En plus il est, vous voyez peut-être aussi, il y a quelques petites paillettes et je vais juste faire le petit mot. Alors après je vais nettoyer tous mes tampons surtout parce que là je suis en train d'utiliser toutes les plaques. Hop, le petit tampon bonheur. Et là, je vais le tamponner sur le blanc. Alors, ça serait bien qu'il soit droit. Voilà, je vais les découper. Donc voilà, j'ai récupéré aussi un badge Noël de la boutique. Voilà, j'ai découpé les deux petits... alors, celui-ci est mal découpé en plus. Il y a du blanc. Voilà, et là il y en a aussi. Hop. Et donc je vais coller le petit cadeau Noël. Ou est-ce que je colle que le cadeau et le bonheur par-dessus? Je voulais mettre le petit badge. Ouais. Je vais déjà coller ma photo parce qu'elle bouge. Et ça me gêne. Voilà, hop. Et donc, si je mets mon badge là, mon petit cadeau au-dessus, et le bonheur, comme ça. On va faire ça comme ça.
Je crois que je vais fignoler quand même avec des petites étoiles en bois. Donc voici les petites étoiles. Je vais en coller quelques-unes. Donc voici de plus près le résultat. Voici ma page comme vous avez pu la voir. Quoi dire de plus que tous les matériaux, le matériel que j'ai utilisé vient de ma boutique c2mstencil.fr. Mais il y a sûrement des ruptures. Pour être sincère avec vous, hein, je le dis à chaque vidéo. Hein, voilà. L'inconvénient c'est que vu que les tampons partent excessivement vite, voilà, je ne sais plus ce que j'ai en stock ou pas, à vrai dire, peut-être le Dimo, les pochoirs c'est sûr parce que c'est moi qui les fabrique, Noël je ne sais même pas. Il reste quelques badges de Noël, voilà. Bref, voilà, j'espère que cette page vous aura plu, n'hésitez pas à aller sur ma boutique, hein, à le voir si ça vous plaît le matériel scrapbooking. Voilà, je ne fais pas assez de pub, je le sais, mais voilà, je suis un peu timide, je suis un peu réservé sur le côté boutique. Vous le savez, ça fait 3 ans maintenant que j'ai, voilà, c'est un peu encore, je n'arrive pas à faire comme les autres boutiques, faire de la pub ouvertement comme ça, voilà, je n'y arrive pas. Bref, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique, c2mstencil.fr, le lien est dans la description, voilà, et dites-moi ce que vous avez pensé de cette page, voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Commenter cette vidéo, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.